les arcs-en-ciel, oh les arcs-en-ciel, oh les arcs-en-ciel. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une dégustation. J'ai plein de trucs bizarres, que c'est des cochonneries japonaises. Désolée, je filme avec mon téléphone, c'est plus compliqué. Ok, je vais vous montrer ce qu'on va goûter. Une guimauve japonaise. Non, j'étais étonnée quand j'ai vu ça. Des chips aux crevettes. Puis un petit bonbon japonais. Prends mes ciseaux, attendez. Voilà, j'ai mes ciseaux avec mon arme. Voilà. Voilà. On va commencer par la guimauve japonaise. Ok. On va goûter. On va goûter la guimauve japonaise. C'est pas agréable. Ah, c'est comme toucher une vraie guimauve en fait. C'est bizarre. C'est quand même bon la guimauve. On n'a pas que j'aime le plus la guimauve là, mais c'est pas grave. Non. Il y a un moyen pour la guimauve. Je vais la finir. Seul défi. J'aime pas. Ça, c'est un truc, c'est un mini bonbon. J'espère que ça pique pas. Ça pique pas. Oh, juste l'odeur, j'aime pas. Ça pique. Oh, ça pique vraiment. Après, je vais tester les chips aux crevettes. Mais ça pique. Ça pique dans la joue. Je vais le croquer. C'est bon. C'est très bon. Quand on croque, ça arrête de piquer. Ouais. C'est bon. On va goûter la fois que je suis étonnée la plus. C'est que... Oh, crevette! J'ai jamais entendu faire de ça. J'avais déjà entendu de ça avec un pouce bleu. Là, ça représente comme ça. Déjà, c'est vraiment pas comme sur les mâches. J'ai goûté vraiment les crevettes. Les gars, si vous n'avez pas de crevettes, ben je vous affiche ça chez vous. Vous allez manger les crevettes. Oh, j'attends les crevettes aussi. Regardez, sentez. Même si vous pouvez pas sentir, sentez quand même. Vous serez que ça sent crème vraiment des crevettes. C'est bon. Quand même très bon. Je vais terminer. Je vais terminer. Menton. Si vous voulez d'autres vidéos dégustation, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Ciao!